Salut, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, il faut qu'on s'installe tous ensemble pour discuter de Fut Champions. Oui, vous le savez, vous l'avez vu dans le titre, je n'ai jamais, mais jamais fait de Fut Champions. J'ai jamais fait 40 matchs en un week-end, ça ne m'est jamais arrivé. Alors pourquoi? Pourquoi cette vidéo? Pourquoi je n'ai jamais fait de Fut Champions? Beaucoup de questions quand même en fait. Alors, pourquoi j'ai jamais fait de Fut Champions? Parce que j'ai pas le temps, voilà, tout simplement. J'ai fait un petit calcul, les matchs, c'est 6 minutes, une mi-temps, je crois. Enfin, je ne sais pas, allez, on va dire 4 minutes, 5, enfin... C'est des heures et des heures qu'on passe sur le jeu que je n'ai pas. Je n'ai pas ce temps, je l'avais avant. Malheureusement, ces années-là, l'année dernière et cette année, qui sont les années de l'arrivée de Fut Champions, je suis en fac de droit, je travaille pas mal. Je travaille pas beaucoup, je connais des gens qui travaillent plus que moi, mais je travaille pas mal. J'ai une chaîne YouTube à tenir à côté. J'ai des potes, je sors, etc. J'ai pas le temps. J'avais le temps avant, quand j'étais au collège, lycée. J'aurais pu doser Fut Champion, je trouve ça très bien. Mais maintenant, j'ai plus le temps, tout simplement. Alors là, vous allez me dire, ça peut se comprendre, genre, cas, voilà, t'as pas le temps, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Pourquoi cette vidéo? Parce que aujourd'hui, sur Fut, qui est un jeu que j'adore jouer à Fut, mais je ne ressens plus le même plaisir. Pourquoi? Parce que, j'ai l'impression de ne pas jouer au même jeu que jouent déjà les gens qui jouent à Fut Champions. J'ai l'impression qu'eux, ils ont un autre jeu que le mien, déjà. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un jeu à deux vitesses. Il y a le jeu des gens qui jouent à Fut Champions, qui ont des grosses récompenses, qui ont des gros packs, qui ont de très gros joueurs, qui peuvent vraiment avoir un gros vivier, qui peuvent vraiment bénéficier de toutes les possibilités sur ce jeu. Et ceux qui n'y jouent pas. Et je pense... à ceux qui ne peuvent pas packer, parce que moi j'ai pu packer grâce à ma chaîne YouTube, etc. Mais ceux qui n'y jouent pas comme moi et qui ne peuvent pas packer, Fut c'est triste. Parce que si tu fais un match en ligne ou en division, tu joues contre des mecs, si tu es au niveau division, qui jouent avec des grosses équipes Fut Champions, donc avec des équipes avec des légendes, etc. Toi forcément t'as pas les crédits qui suivent derrière, donc tu as des équipes avec des gros écarts de level. Alors certes, vous allez me parler de rééquilibrage, mais je pense que quand tu tombes contre une foule légende, là, tu ne te fais pas rééquilibrer à chaque fois, donc forcément c'est compliqué. Et moi, à côté de tout ça, j'ai l'impression d'être exclu. J'ai pas d'autres modes de jeu pour, on va dire, m'épanouir. Il y a la division, mais la division, c'est un mode de jeu qui existe depuis la nuit des temps. Et forcément, au début de FIFA, ouais, tu l'adoses, tu essayes de monter en divune, etc. Tu vois que tu n'y arrives pas. Il n'y a que la division vraiment sur Fut pour les gens comme moi qui ne jouent pas à Fut Champions. Je trouve ça triste. Avant, il y avait les petites coupes avec des petits objectifs et je les faisais sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des séries, pas mal de séries, sur des coupes comme ça. Il y avait une coupe, je sais pas, américaine, je faisais une équipe américaine et on jouait ensemble cette coupe. C'était sympa. Maintenant, Fut Champions, il n'y a plus ça, il n'y a plus ce système de coupe. Quand tu es un joueur qui joue peu à FIFA, forcément, tu te retrouves dans une situation qui est simple. C'est que tu n'as pas le niveau pour jouer à Fut Champions parce qu'il y a ça aussi. Moi, je n'ai pas le niveau actuellement pour jouer à Fut Champions, j'ai pas le nombre de matchs que vous pouvez avoir sur FIFA parce que j'ai pas le temps tout simplement. En plus de jouer à FIFA à côté, je dois monter ce que je joue, je dois l'upload, etc. Ça me prend ma connexion, donc je peux pas faire de matchs en même temps parce que je suis pas un salaud. J'ai pas, pendant que je fais un upload de vidéos sur YouTube, en plus jouer à FIFA, ça ferait un match lagué. Bon, moi je ressentirais pas trop le truc, mais peut-être que l'adversaire le ressentirait et ça l'embêterait. Donc je suis pas ce genre de personne. Donc voilà, je pense que vous voyez le problème. Et je pense que le problème, c'est pas Fut Champions. C'est très bien, laisser ce mode de jeu, il fait plaisir à plein de gens, c'est trop bien. Voilà, je vois des gens qui regardent des streams entiers dessus, je vois des gens qui vivent de Fut Champions, j'ai l'impression, sur Twitter, c'est très bien, continuer ce mode de jeu. Mais peut-être mettre un autre mode de jeu à côté qui soit équivalent en termes de rapport qualité-prix, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un nouveau mode de jeu qui nous permette nous aussi de nous amuser en jouant moins de matchs. 4 matchs, c'était la durée d'une coupe et c'était très bien, on s'amusait bien et je trouvais ça cool. Alors je suis peut-être un vieux con à venir avec mes vieux principes, etc. Mais c'était sympa parce qu'on pouvait tous jouer, et sur 4 matchs, tu as moyen de créer l'exploit si tu es, on va dire, un joueur novice, et d'une fois ou deux fois, ou gagner la coupe, et avoir un beau pack ou quoi que ce soit, et être content. Là, c'est plus possible parce que c'est soit tu es un top player de Fut Champions, et Fut Champions, ce qui est rageant aussi, moi, ce qui m'énerve, c'est que je sais que j'ai pas le niveau d'un hardcore player, d'un joueur qui peut faire top 100, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux pas être top 1 million, genre, je m'en bats les couilles. C'est où? Un jour, tu me dis, tu pourras peut-être faire 40 victoires ou jamais. Et on sait très bien que c'est jamais. Tu n'y arriveras jamais, toi, devant ton écran, à faire 40 victoires. Donc, c'est frustrant. Donc, c'est embêtant. Donc, ça ne me donne pas envie d'y jouer déjà de base.
Donc voilà, j'ai pas honte de jamais avoir fait de Switch Champions, loin de là, je m'en fous. Mais c'est juste pour qu'on essaye de débattre et donnez-vous dans les commentaires, encore dans ces petites vidéos débat, des idées pour essayer de compenser ça, pour qu'on puisse arriver à un mode de jeu un peu plus sympa ou à un autre mode de jeu un peu moins excluant. Parce que là, oui, Djorkaeff, il se sent exclu de FIFA, de son petit jeu qu'il joue depuis FIFA 8. Allez, sur ce, c'était Joe, j'espère que la vidéo t'a plu. Allez, bye, et j'ai mis une capuche hein, parce que je me suis encore pas coupé les cheveux, c'est dégueulasse.